Toujours le même plaisir et le même enthousiasme au moment de vous retrouver sur les antennes de la télévision 100% information pour vous parler de sport, notre passion commune. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans votre émission Sport Zone, votre émission tout azimut d'informations sportives. Et bien ce soir, nous allons parler de plusieurs disciplines avec des invités de marque avec nous. Vous allez les découvrir juste après le sommaire exceptionnellement présenté ce soir par la rédactrice en chef de Burkina Info, Vanessa Diasso. Regardez. Accueil chaleureux pour le champion du monde du triple saut. Hugues Fabrice Zango, après son sacre à Budapest, a regagné le pays samedi dernier. Ambiance à suivre en début d'émission. Vous savez, on peut être très performant et ne jamais gagner. Mauvaise nouvelle pour les supporters des étalons, Cyril Barros-Bayala va manquer la prochaine CAN. Le sociétaire de l'AGA Ajaccio souffre de ligaments croisés. Les détails dans Week-end des pros. Championnat national de première division, l'ASEC insaisissable. Les commerçants de Koudougou ont aligné un quatrième succès de rang, le point dans un instant. Dès lors sur ce plateau, ça suffit donc pour présenter notre invité du jour, Hugues Fabrice Zango, le champion du monde de triple saut. On n'a plus besoin de se présenter ce monsieur, il est champion national, champion africain, champion mondial désormais. Bonsoir et bienvenue Hugues Fabrice Zango dans l'émission Sport Zone. Bonsoir à tous les auditeurs de Sport Zone. Merci de m'avoir invité. On a également avec nous justement le manager donc du champion du monde, Bertrand Zungrana, nous fait l'amitié de partager ce plateau avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci à Burkina Info pour l'invitation. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et notre consultant de tous les soirs, de tous les longs d'histoire, donc, est avec nous, Justin Fremzio, le monsieur arbitrage, le monsieur texte, le monsieur journalisme également. Bonsoir et bienvenue, Justin Fremzio. Bonsoir, Mohamed Sangaré. Bonsoir, Hugues Fabrice. Et bonsoir, Bertrand. Il faut saluer nos téléspectateurs quand même. Aux téléspectateurs. Ok. Alors, on va s'installer ensemble avec l'accueil de Hugues Fabrice Zango qui n'était plus venu au pays depuis son sacre du côté de Budapest. Accueil chaleureux, vous allez le constater dans cet élément de Ole Chaban Ouattara. Sourire aux lèvres, avec sa médaille en or remportée au championnat du monde d'athlétisme en août dernier à Budapest, Hugues Fabrice Zango a été accueilli en héros le samedi 23 septembre à l'aéroport international de Ouagadougou. Vuvuzela en main et échappe au coup, le peuple burkinabé a mis l'ambiance à l'aéroport avec diverses prestations. Une satisfaction pour le nouveau champion du monde qui nous a partagé les étapes de son sublime parcours. Les premiers mots seront des mots de joie parce que je suis très, très, très content et très fier d'avoir pu réaliser une performance qui m'a valu une médaille d'or des championnats du monde. Vous savez, on peut être très performant et ne jamais gagner. Il y a énormément de personnes qui ratent pour un rien un championnat du monde. Et pour gagner un championnat du monde, il faut cocher énormément de cases. Il faut être en bonne santé déjà, il faut être bien mentalement et il faut être prêt à un moment donné. Il ne faut pas être prêt 5 minutes avant, il ne faut pas être prêt 5 minutes après. Sinon, c'est foutu. Il faut vraiment prendre le moment le quart d'heure de gloire, comme on le dit. Et j'ai pu profiter de cela, bien sûr, grâce à beaucoup de soutien. Après le bronze à Doha en 2019 et l'argent à Eugène en 2022, le triple sauteur burkinabé goûte enfin à l'or à Budapest le 21 août dernier avec son bond de 17,64 m. Ce parcours de combattant lui vaut aujourd'hui le mérite des premiers responsables du sport burkinabé, des premières autorités du pays et celui du peuple burkinabé. Nous lui disons bravo parce qu'il a posé un acte historique, il a engrangé des résultats historiques pour notre pays qui est effectivement d'être champion du monde en athlétisme. Et vous le savez, cet acte apporte beaucoup de joie au peuple burkinabé. Au regard donc du contexte assez difficile que nous traversons. Monsieur Zango, Fabrice, nous l'avons connu au stade à ses débuts. Et il a eu beaucoup de soutien au niveau de ses parents d'abord, que je voyais souvent au stade. Nous qui sommes arrêtés aujourd'hui, là, nous sommes pleins de joie. Parce que nous avons pratiqué l'athlétisme, nous avons géré l'athlétisme, et nous avons visé donc ces médailles régionales, africaines et mondiales.
La mondiale n'est pas facile à obtenir. Hugues Fabrice Zango a aussi tenu à saluer la bravoure de tous les soldats qui luttent jour et nuit afin que le Burkina retrouve sa paix d'antan. Cet accueil a aussi été une occasion pour le ministère des Sports et des Loisirs ainsi que le champion du monde de remercier le défunt Frédéric Sidibé, par ailleurs président de la Fédération d'athlétisme, pour son soutien indéfectible au développement du sport burkinabé. Le champion est justement avec nous sur ce plateau, Hugues Fabrice Zango. Qu'est-ce que ça fait de revenir au pays, d'être accueilli dans de telles ambiances? Vraiment, j'ai été honoré hier à l'aéroport par tout ce que vous avez vu, toute cette foule. Et on a même eu droit à une parade sur l'artère principale de Kwame Nkrumah et jusqu'à mon hôtel. Franchement, c'est des mots de joie. Je suis vraiment content. Alors, il y a plusieurs sentiments qui s'entremêlent. Okay. Voilà. Donc, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de satisfaction également de voir que ce sacre, le peuple en avait besoin. Ouais. Voilà. Et derrière, il y a aussi un sentiment d'invincibilité qui est en moi. Et franchement, c'est très, très agréable. Je souhaite que tous les Burkinabés vivent un instant pareil une fois dans leur vie. On suppose que ce genre d'instant vous permet quand même de vouloir rébelloter, d'être prochainement accueilli de la même sorte. Bah, ça veut dire qu'il faut toujours rester premier. Bah oui, tout à fait. Vous savez, à un moment donné, lorsque les gens s'habituent au bronze, les gens veulent un peu plus. Bon, après, là, je suis au sommet quand même. Donc, si je ramène de l'or, refaites la même chose au moins. Parce qu'on ne peut pas avoir au-dessus. Donc, voilà. Alors, on va dire, le sac, c'était début septembre. On vous attendait peut-être le week-end d'après. On va demander à votre manager, Zungana, pourquoi ça a un peu traîné? Parce que la ferveur a un peu baissé quand même, sinon la queue aurait pu être plus monstrueuse que cela. Oui, nous vous disons merci pour cette question. Effectivement, initialement, c'est immédiatement après les mondiaux que Hugues devait regagner le pays. Mais bon, étant donné l'organisation festive qui se préparait, et étant donné aussi la douloureuse nouvelle qui nous est tombée dessus, en l'occurrence la perte du président de la fédération, le staff en collaboration avec le ministère et puis la fédération, on a jugé inopportune, d'autant plus que Zango n'avait pas encore terminé sa saison, c'est-à-dire de lui permettre de terminer sa saison, okay, le temps qu'on puisse faire le deuil du président. Et maintenant, continuer avec... Parce qu'il y avait la Diamond League aussi en temps. Effectivement, il y avait la Diamond League aux États-Unis, voilà. Mais bon, étant donné que cette médaille d'or mondiale était un rêve pour tous, notamment pour le président, le regretté président, voilà, donc vraiment, on a souhaité lui rendre cet hommage-là. Voilà. Alors, juste Ephraim Zio, on va dire que c'est le retour de l'enfant prodige. Hein. On l'attendait, on suppose que vous également. Oui, tout à fait. Félicitations. Je pense que Fabrice nous a donné une grande fierté parce qu'à cause de Fabrice, maintenant, on peut placer le Burkina Faso sur la carte dans le domaine sport, de l'athlétisme. Voilà, et là, je pense que sur un de ces plateaux ici, j'ai dit que, imaginez-vous que, à cause de Fabrice, le Burkina a été classé devant la France. Vous voyez que c'est une grande fierté pour une délégation peut-être de deux ou trois personnes revenir avec une médaille d'or, contrairement à une équipe de France, par exemple. Parce qu'on a vu aussi les budgets pour ces mondiaux. C'était le Burkina avec un petit budget de moins de 100 millions par rapport aux autres concurrents. Oui, parce que historiquement, toujours, le Burkina n'est pas un pays de sport. Le Burkina, c'est un pays où sa résilience fait que le sport est passé au premier plan. Tous les résultats sportifs que les Burkinabés ont eus, c'est vraiment dans la résilience. Et félicitations à Hugues. Alors, ce que je voulais savoir, Hugues, lorsque tu as fait ton saut, qui t'a donné le titre, tout de suite, on a senti que tu étais sûr que tu avais frappé un grand coup. D'où est venue cette assurance-là? Oui. Alors, cette saison a été une saison assez particulière. Il faut dire que notre objectif, c'était effectivement cet or mondial-là. Et nous savions que c'était pas forcément au niveau de la forme physique que ça allait se jouer. Parce que nous sommes tous forts, nous sommes tous à la pointe de l'épée. Et là, ça va se jouer sur des stratégies, des choses en fait que les gens ne voient pas. Et nous avons étudié tous nos adversaires.
on sait exactement le chemin de compétition de tout le monde, de tous les adversaires. Si ton adversaire saute comme ça au premier, il sait, en fait, statistiquement, on a fait vraiment un plan, une étude statistique de tous nos adversaires, donc on savait exactement ce qu'il fallait pour gagner. Et donc, lorsque je fais 17-64, sur aucune statistique, sur d'aucun Cubain, au cinquième essai, un Cubain est passé devant. Ça n'existe pas. Ils sont plus forts au début. Ce sont des monstres au début. Premier, deuxième, à la limite, troisième essai. Mais après, bon, voilà. Donc, on avait vu ces statistiques-là qui sont là depuis 1995. C'est vraiment un chemin de compétition récurrent, surtout au niveau du triple saut. Et donc, lorsque je passe devant au cinquième essai, je savais que c'était plié. Et je savais aussi qu'à 1764, on connaît aussi à peu près le potentiel de tout le monde. Et on sait comment on... Et même les plus grands sauteurs, lorsqu'on vous passe devant au cinquième essai, on vous met une pression phénoménale. Et donc, derrière, c'est vraiment pas toujours évident de se remobiliser. Et comme on connaissait effectivement toute la carte mentale de nos adversaires, je savais que le jeu était plié. Et d'ailleurs, pour le sixième essai, mon coach, qui avait aussi un autre athlète, il n'a même pas eu besoin de rester. Il est parti, en fait. C'était déjà fini. On savait déjà. Mais pourquoi ce dernier essai? On attendait peut-être un truc pour s'amuser et tout. Ah, au sixième essai, c'est pas venu. Alors, au sixième essai, le jeu était déjà plié, comme vous le savez. Et... C'était un petit bonus. Hein. Et je vous assure que ce sixième essai aurait pu aller loin, sauf que bon, en fait, mon objectif était atteint, okay. Honnêtement. Okay. Et la saison, c'était la médaille d'or qui primait forcément sur la performance, okay. Parce qu'au début de la saison, quand même, on a pu sauter 17-80. C'est la saison la plus régulière qu'on a pu avoir. Okay. Donc, ça montre qu'il y a eu un gros travail qui est là. On savait qu'on pouvait sauter 18 mètres à tout moment, mais l'objectif d'un championnat, c'est d'abord de gagner. Effectivement, au dernier, j'avais déjà gagné, mais pour moi, j'avais juste hâte d'aller fêter ça avec toutes les personnes qui étaient présentes. On va d'ailleurs regarder ce moment historique où Hugues Fabrice Angoua a décroché la médaille d'or des Jeux mondiaux d'athlétisme avec un bond de 17,64 mètres. On va regarder ce moment qui va rester à jamais gravé dans les annales de l'athlétisme mondial avec la complicité de la régie. 60 au premier essai. Alors, Ninon Chapelle éliminé, Hugues Fabrice Angoua. Toujours en course pour le titre, lui. Oh, et ça va loin. Ça va loin, ça va très très loin pour Hugues Fabrice Zongo. La planche est bonne. Alors là, Stéphane, il a frappé un grand coup, le Burkinabé. Oui. C'est dans la tête. L'élève de Teddy Tamgo, il a dû lui répéter ça, Teddy. Hein, c'est dans la tête que ça se joue. Là, ça. Martinez qui était déjà enflammé tout à l'heure. Napoles qui était déjà enflammé tout à l'heure, ça. Ça va être terrible cette fin de concours. Ah oui, on va vivre ça sur les antennes de France Télévisions. On va se régaler dans cette finale du triple saut. Hugues Fabrice Zango, vice-champion du monde à Eugene. Il veut monter sur la première marche. Et il vient de frapper un énorme coup, le Burkinabé. Et 17 mètres 64, voilà, il prend la tête de cette finale après 5 essais. Ouais, belle série. Hein. Alors, Fabrice Angoua, quand on regarde ce saut, ce qui nous marque tout de suite, c'est la célébration. Est-ce que c'est un message de pointer sa tête? Est-ce que c'est un message pour les concurrents ou pour le public? Il y a énormément de messages. Alors, pour le public qui est là et qui m'a vu un peu galérer sur 5 essais avant de reprendre la tête, c'est un message pour leur dire, bah, en fait, n'abandonnez jamais. Pour les concurrents, c'est pour leur dire, en fait, bah, quel que soit ce que vous allez faire, dans ma tête, je vous gagnerai, en fait. Je vous avais déjà battu, en fait. Et pour... Bah, c'est un message pour les deux camps, finalement. Alors, avant... Ce saut, on avait vu un petit clash hein, entre vous et puis d'autres concurrents qui vous avaient dépassé. Je crois que c'est un Cubain qui vous avait dépassé et puis il est venu faire un petit geste devant vous. Est-ce que tout ça, ça mène à se surpasser? Non, en fait, lorsque je suis dans ma bulle, franchement, je ne vois pas forcément les adversaires comme ça parce que moi, je suis le chasseur, moi, je ne suis pas le gibier. Il faut savoir que... Donc, il y a le chasseur et le gibier dans le complètement. Et moi, je suis le chasseur. Ok. Et là, en fait, si, en fait,
le lion ne peut pas, par exemple, j'ai envie de dire, s'exciter ou avoir des réactions disproportionnées par rapport à ce qu'une gazelle soit en train de gigoter, quoi. Donc, moi, ça ne me disait rien. J'avais un objectif, je savais que j'allais les battre, et à 17-40, ils n'avaient vraiment aucune chance de gagner. Alors, quand on réalise de telles performances, qu'est-ce qu'on se dit mentalement? Comment on vit ces genres d'émotions? Comme je dis, il y a un vrai sentiment d'invincibilité, et tout de suite, en fait, on se dit, ah, franchement, je peux réaliser tout ce que je veux. Je peux même aller sur la Lune si je veux, finalement. Et moi, je l'ai vécu, franchement, c'est ma plus belle victoire, j'ai envie de dire, parce que c'est l'accomplissement d'énormément de choses, d'énormément de sacrifices, parce qu'une préparation d'une médaille olympique, d'une médaille d'or mondiale, pas d'une médaille mondiale, d'une médaille d'or mondiale, c'est encore différent de la préparation d'une médaille mondiale. Alors, comment ça se fait? Alors, il y a telle préparation. Oui, il y a énormément de cases à cocher, comme je dis, pour arriver au bon moment et pouvoir décrocher une médaille mondiale déjà et encore plus une médaille d'or mondiale. Il faut savoir qu'il y a déjà tout le paramètre de santé à maîtriser, santé physique et mentale forcément. Donc il y a beaucoup de spécialistes autour de moi qui m'aident à cet effet-là. Donc avec notre équipe médicale, on avait fait un plan depuis novembre pour essayer de me suivre de façon beaucoup plus régulière. Parce qu'il faut savoir aussi que plus l'âge avance, plus tu as de risques en fait de te blesser et plus tu as de risques de finalement de même pas arriver en forme en compétition, parce qu'il faut bien gérer tous ces aspects-là. Et au niveau technique et physique, forcément j'ai un coach qui m'aide et ça c'est indéniablement important, parce qu'il faut savoir que nous, on avait fait une stratégie, c'est-à-dire de mettre la pression tout de suite aux différents adversaires dès le début de saison. C'est ce qui s'est passé. Okay. Et dès Doha, on a pu faire 17-80, maintenir une pression, un contact avec tous nos concurrents pour qu'ils ne se relâchent jamais, en fait. Et quand un athlète ne se relâche jamais, ben, en fait, ça le pousse à la blessure, ça le pousse à la faute. Donc, okay. C'est ce qui est beaucoup arrivé à pas mal d'adversaires cette année. Et finalement, nous avons vaincu sans combattre. Il faut dire que... Ben, finalement, ce n'était pas un combat pour vous. Non, on a dit qu'un bon général gagne sans avoir combattu, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. On en apprend des choses, justement, sur la préparation de telles compétitions. On a l'impression que ça se passe sur des années. C'est pas juste à l'instant T, les 6 essais. Non, je confirme cela parce que, pour la petite anecdote, moi j'ai appris la technique de course avec Hugues Fabrice Zango lorsqu'on s'entraînait ensemble au stade du 4 août, et les matins. Oui, j'avais un problème de démarrage à l'effectif. Voilà. Donc, vous voyez que quelque part, c'est sur des détails que ça se joue. Et déjà, il faisait la différence. Alors moi, ma question, c'est, comme il a dit... avec le coach, il y a eu un travail qui a été fait. Et quelle sera maintenant l'approche et quel sera maintenant le comportement de Hugues avec son coach, puisqu'on a appris que le coach doit revenir pour participer au JO de l'année prochaine, voilà, étant donné que c'est un rêve. Et ensuite, quel est le sentiment de Hugues lorsqu'il revient trouver que ses jeunes frères n'ont pas de piste d'athlétisme? Quel est le sentiment qu'il a et qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à ça? Okay. Alors, déjà par rapport à mon coach qui revient à la compétition, il faut savoir qu'un athlète qui revient à la compétition a forcément plusieurs objectifs, et notamment pour lui qui a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, il a voulu se donner cette ultime challenge, en fait, d'essayer de revenir. Je pense que c'est un message qu'il veut surtout passer à tous les athlètes, en fait, pour leur montrer que c'est possible, même à 34 ans, de pouvoir revenir à un certain niveau. Alors, le défi n'est pas gagné du tout et il s'entraîne pour cela. On verra dans les prochains mois comment il appréhende la chose. Est-ce que vous pensez que vous allez battre Teddy Tango au Personne jeu? N'a aucune chance contre moi aux Jeux Olympiques. même votre coach? Personne. Même moi, j'ai pas de chance contre moi maintenant. Je vais gagner. Alors, parlons donc des infrastructures. Voilà. Et par rapport aux infrastructures sportives, c'est vrai que c'est très dommage de constater que l'athlétisme qui est en plein essor au Burkina Faso, justement, n'a même pas de piste valable, n'a même pas de piste tout court, en fait. Et c'est vraiment très triste. Enfin, moi, j'ai,
je disais aussi que après mes Olympiades, parce qu'il faut savoir que 2024 signeront mes dernières Olympiades certainement, et je vais certainement représenter le Burkina, mais de façon dans des compétitions moins importantes. Je vais commencer à me retirer tout doucement. Ce sera le début de la retraite. Exactement. Une pré-retraite. Voilà, tout à fait. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un creux d'une dizaine d'années. Ben, finalement, on oubliera encore l'athlète. Il faut encore reconstruire. Ça serait vraiment dommage et très triste. D'autant plus que là, j'ai des opportunités pour mes jeunes frères et sœurs et j'ouvre des portes. Voilà. Il ne faut pas que la ferveur redescende. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas de piste. Après, ça, c'est toujours un. Moi, j'ai pas des milliards pour construire une piste. Sinon, je l'aurais fait, ça, c'est certain. Mais il faut dire que moi, mon apport, c'est surtout au niveau mental. Mais même ces difficultés n'empêchent pas mes jeunes frères et sœurs de rêver de médailles olympiques. Et ça, c'est déjà un pas. Après, il faudrait bien sûr un accompagnement de nos autorités qui puissent donner, mettre à disposition des pistes pour que cela se passe. Et comme je dis que ça sera le début de ma retraite, et moi, même moi, j'espérais revenir de plus en plus en 2025 pour m'entraîner au Burkina, pour que, voilà, qu'ils puissent me voir m'entraîner. Pour permettre aux jeunes frères de côtoyer et de s'inspirer. Voilà. Donc, je ne serai plus en France. J'aurai fini mon plus gros de ma carrière. Donc là, il faudrait qu'ils apprennent un peu plus de moi. Et un peu, voilà. Donc, j'espère revenir de plus en plus. Mais sans piste, j'avoue que c'est compliqué. Voilà, c'est un projet qui est quand même complexe. Celui qui est plus frustré dans cette histoire, c'est certainement Zongrana, qui organise sa compétition souvent dans des conditions difficiles. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que, après Zango, on n'ait pas un long temps de sécher, si on peut le dire? Alors, merci d'avoir évoqué cet aspect, parce que effectivement, que ce soit au niveau fédéral, je pense qu'il y a un ensemble de projets qui entendent le directeur technique et qui sont toujours sur les bureaux, sûrement qui seront traités. Mais donc aussi, on peut avoir espoir. Bon, de ce côté, bon, je ne suis pas membre fédéral, mais par contre, étant plus proche des Zango, voilà, pour ceux qui étaient à la conférence de presse, de manière active, il peut commencer à se retirer, mais je pense que, bon, sûrement qu'il aura l'opportunité de vous présenter le projet qui, effectivement, entre dans cette logique-là, c'est-à-dire de préparer l'après-Zango. Voilà, c'est-à-dire susciter cet engouement-là, non pas seulement autour de l'athlétisme, mais aux Jeux Olympiques. Et quand je parle des Jeux Olympiques, on ne parle pas de l'athlétisme seulement, on parle de tout ce qui culmine autour. Okay. Tous les sports inscrits dans les Olympiades. Okay. Voilà, sûrement qu'il aura l'occasion de. Avant de parler de ça, on va parler des Jeux Olympiques en ce qui vous concerne. Ouais. C'est-à-dire donc votre participation. Il y avait un gros projet qui avait été annoncé il y a cela quelques années. Ouais. Où est-ce qu'on en est et est-ce que les Jeux Olympiques, ça va prendre, si on peut se permettre le mot? Alors, les Jeux Olympiques prendront quoi qu'il en soit pour ma part. Donc, okay. À ce niveau, ne vous bonne nouvelle pas déjà. Hein. Alors, pour les autres. On la fête. Voilà, oui. Là, on peut commencer on déjà. La deuxième médaille d'or. Alors, par rapport aux autres aspects, il faut savoir qu'il y a eu quand même des difficultés dans la mise en place de ce projet, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé au niveau du ministère. Le contrat n'a pas été vraiment rempli comme il se devait. Okay. Ce qui fait qu'on avait fait venir effectivement deux athlètes en plus de moi. Il y avait Marthe Koala et puis il y avait Bienvenue en France. Ouais. Et ils disposaient d'un peu du même environnement que moi, c'est-à-dire un environnement où il y a des athlètes de haut niveau, un environnement où il y a des médecins et bien sûr psychologues, voilà, à la disposition pour ceux qui le voulaient. Mais voilà. Le projet n'a pas abouti parce qu'il y a eu des difficultés pour payer le coaching et tout ce qu'il y a autour. Après, on avait un minimum du fonds qui nous permettait juste de survivre en France, mais c'était pas suffisamment assez pour qu'on puisse préparer faire des athlètes déjà de très haut niveau, d'autant plus. En fait, il y a vraiment de grosses différences entre un athlète qui fait une finale mondiale, une athlète qui prétend à une médaille et une athlète qui gagne une médaille, en fait. Donc, okay. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place et il faut se poser la question vous, de vous savoir. Comment vous débrouillez alors? S'il y avait autant de problèmes financiers, vous arrivez quand même à décrocher l'or aux Mondiaux. Comment vous débrouillez finalement? Alors, il faut savoir que j'ai dépensé à peu près 50 millions de francs CFA pour avoir cet or olympique. À titre personnel?
j'y viens. Okay. Pour avoir cet or mondial, là, bon, je dis or olympique parce que ça viendra de toute façon, il n'y a pas de souci. C'est ça l'objectif. C'est clair. Donc je reviens trop souvent là-dessus, mais c'est parce que je suis déjà matrixé par cela. Oui. Mais voilà, et donc en des 50 millions, j'ai bien sûr de l'aide du fonds. Okay. Bah, qui couvre à peu près un tiers de mes dépenses. Ben, il faut savoir que le reste, forcément, ça sera mes frais, quoi. C'est difficile. Mes frais, c'est, voilà, avec mes différents sponsoring, Télécel et plein d'autres sponsors par-ci, par-là, que j'essaie de colmater les trous et essayer, effectivement, de représenter. Ça aussi, c'est mon apport pour, j'ai envie de dire, pour l'effort de guerre. Parce que finalement, voilà, c'est un effort de guerre et j'aime dire que mes victoires aussi, redonne de la force aux forces combattantes. Et ça, c'est important. Alors, Bertrand Zungarlan, vous avez entendu votre athlète. Le management, c'est vous. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour amoindrir le côté financier et permettre à l'athlète de se consacrer véritablement à son travail, qu'est que l'athlétisme? Parce que vous revenez avec de l'or. Est-ce qu'il y aura un programme pour pouvoir discuter avec, on va dire, des bailleurs ou les autorités pour préparer 2024? Ok, pour ça, pour avoir touché du doigt le problème, c'est-à-dire j'ai été à Budapest, j'ai été à Paris où ils s'entraînent aussi. Donc vous connaissez les problèmes? Je connais les problèmes. Et voilà, en fait, ce qu'il faut dire, le sport de haut niveau a ses exigences. Le grand frère l'a si bien dit. Nous, c'est pas la résilience, c'est pas le courage, c'est par notre abnégation qu'on gagne. Voilà. Sinon, au vu de tout ce que l'athlète met dedans, bien vrai qu'il y a l'apport du gouvernement, mais sans partenaire, c'est compliqué. Il y a, jusqu'à avant-hier, quelqu'un me demande, est-ce que les gens reconnaissent vraiment, est-ce qu'ils ont vraiment mesure est-ce qu'ils savent qu'on a. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'ils ont, je vous dis, pour avoir fait la France à ses côtés, franchement, je ne compare pas. C'est un patriote, hein, mais malgré le fait qu'il ne soit pas français, franchement, à un certain moment, les gens le rencontrent, ils parlent. C'est un monument. Oui, et bon, j'ai profité, je sais qu'il ait un partenariat là-bas. Voilà, de mon passage, un truc en France. Voilà, donc je pense que ici, c'est un cri de cœur. Voilà, nos sportifs, nos athlètes, ceux vraiment qui sont à même de nous représenter valablement, ils ont besoin d'un encouragement. Bien vrai, ils se battent pour arriver à un certain niveau, mais bon, eux aussi, ils ont l'air extrêmement, ils ont leurs limites où oui. On a besoin maintenant. Donc actuellement, je profite dire qu'actuellement, Fabrice a besoin d'aide. Zango a besoin d'aide. On est ouvert à tout type de contrat, images, ainsi de suite, pour la promotion des produits. Voilà, je suis là, je suis au boutinant. Il faut porter votre athlète. Voilà, je suis alors, au boutinant. Zango, on va terminer avec ce projet de, on va dire, demi-retraite après les JO. Il s'agit de quoi concrètement? Alors concrètement, il faut savoir que ce n'est pas un projet de demi-retraite d'abord, c'est un projet pour que les jeunes suivent les Jeux Olympiques. En fait, on a l'intention de pouvoir toucher 25 000 jeunes à peu près à travers un projet qu'on nomme le défi olympique, en fait. Ça sera où, au Burkina? Ça sera au Burkina. En fait, ça sera dans les espaces publics. Okay. On veut organiser des challenges sur différentes disciplines qui sont quand même en vogue au Burkina, notamment le triple saut, le sprint. On va faire un peu de vélo, voilà. Quelques disciplines de ce genre. Et l'idée, c'est de pouvoir, en fait, rassembler la population et parler des JO encore et encore. Notre objectif, c'est finalement que les élèves et les étudiants de toute la ville de Ouagadougou se mettent devant leurs écrans à partir du 26 juillet 2024 pour suivre l'intégralité des Jeux Olympiques. C'est ainsi qu'on va préparer et créer les nouveaux inspirés et qui seront les décideurs de demain. Allez, voici une bonne idée. On va terminer avec vérité sur l'image. On va vous présenter quelques images. Vous allez nous dire ce que vous pensez des personnes ou des images que vous allez voir. On va demander à la régie donc de nous présenter la première image. Ce monsieur-là. Vous connaissez? C'est un monstre, ouais, je connais bien Ron Didi forcément. Ok, ouais. on a déjà, ce sont quand même nos deux étoiles, ça. Nos deux champions du monde. Mmh. On va aller à la prochaine image. Map quoi là? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Prometteuse, mais voilà, il y a un petit gap à franchir, mais prometteuse.
Matt Kuala, les critiques qui nous reviennent généralement, c'est qu'elle n'est pas constante dans ses performances. Est-ce que c'est le cas et comment vous pouvez expliquer c'est ça? C'est exactement comme je le disais. Il faut savoir si on finance suffisamment pour avoir des athlètes de haut niveau, parce que Matt est un athlète de haut niveau. Est-ce qu'on finance suffisamment pour avoir des athlètes qui font des finales mondiales ou qui gagnent des médailles? Et malheureusement, Matt est dans l'étape d'avant. Donc, elle pourrait faire des finales mondiales, mais gagner une médaille actuellement serait très compliqué si elle n'a pas plus d'aide. Alors, on va aller à la prochaine image. Est-ce que lui, là, c'est votre bête noire? C'est ce qu'on a appris. Non, oui, cette année, je l'ai bien battu et je l'ai poussé à l'erreur. Et cette, l'année prochaine, ça sera pareil. L'erreur, c'était quoi? La blessure. Alors, on va aller à la prochaine image. Vous n'avez pas peur de lui pour les JO? Il perdra. Ah, allez, on va regarder la prochaine image. Qu'est-ce qui vous inspire, ce monsieur qui a attiré sa alliance? Un grand homme, parce que même lorsqu'il était il faisait ses soins à Lyon, on était tout le temps en communication. Et franchement, un grand homme qui est hyper gentil. Franchement, c'est ça que je retiens de lui, en fait. Il est accessible, en fait. Voilà, même si c'est compliqué avec certains membres fédéraux, forcément, souvent au niveau de la discussion, lui, il est facilitateur. Vraiment un grand. Alors, il laisse, quand même, on va dire, des œuvres. Ouais. Est-ce que vous essayez là, quand même, pour pousser ces œuvres-là au loin, parce que vous êtes un athlète de haut niveau, mais la base, c'est une fédération, quand même, il faut être organisé. Vous voulez savoir si je veux être président fédéral? Non. Alors, monsieur, on va s'arrêter ici pour cette première partie de votre émission consacrée au Trip Saut, consacrée donc à notre champion du monde, Hugues Fabrice Zango, qui nous fait le plaisir de nous rendre visite dans la zone. On va revenir au football maintenant, qui est pratiquement le sport roi. On va visiter ensemble ce que nos internationaux ont fabriqué, ont performé, les performances données dans les différents clubs. C'est dans Weekend des Pros et c'est avec Olé Chaban Ouattara. Après une saison compliquée avec Amiens, Bourema Hassan Bané retrouve ses marques avec AJK Helsinki. Après son premier but en Europa Conference League, le Burkinabé a participé à la victoire des siens en championnat, 3-2 contre AJK. En 5 journées du championnat allemand, le Bayer Leverkusen cumule 4 victoires et 1 match nul. Ce week-end, Edmond Aksoba et Leverkusen sont venus à bout de Heidenheim sur le score de 4-1. L'Aksoba a disputé l'intégralité de la rencontre. En première division anglaise, Luton Town de Issa Kabore a décroché enfin son premier match nul de la saison contre Wolverhampton. Titulaire, Issa a joué 85 minutes. Toujours en première ligue, Bournemouth s'est incliné sur la pelouse de Brighton sur le score de 3-1. Dangoué entré en jeu à la 63e minute. Cyril Barros Bayala ne disputera pas la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 pour cause de blessure au ligament croisé. L'Étalon a reçu des messages d'encouragement de ses coéquipiers en sélection, mais aussi de son club. En D1 grec, Ismaïla Ouédraogo enchaîne avec le Panathinaikos FC lors de la victoire 2-1 contre l'Amiens FC. Le milieu burkinabé a disputé toute la partie. Aux Pays-Bas, Kylian Nkema enchaîne une deuxième titularisation avec son club, ADO Den Haag. Pour le compte du championnat de deuxième division, l'ADO a fait match nul avec Telstar 1-1. Allez, pour la suite de ce numéro de votre émission Sport Zone, donc on reçoit d'autres invités pour vous. Bassalia Stéphane Ouattara nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mahamad, bonsoir à toutes nos téléspectatrices et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. Commence toujours par les dames, honneur aux dames. Les téléspectateurs ont failli tout avaler. Justement, on a une dame avec nous, on est gâtés ce soir après la France. On va du côté des États-Unis pour recevoir donc l'ancienne internationale burkinabé, Habibou Sana, promotrice donc de tournoi international de l'avenir du football féminin, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Hello, hi, how are you? I'm fine. Hein? Ok, I'm good. Allez, bienvenue au Burkina. Ok, thank you so much. Ok, on va commencer par le week-end des pros. Vous avez suivi Bassalia, Juste Frem Zio, Habibou Sana. C'est vrai que vous êtes plus dans le football féminin, mais on suppose que vous regardez quand même le football masculin aussi, avec les Italiens et tout. Stéphane, qu'est-ce que vous retenez ce week-end? Ce week-end, c'est surtout la performance de Hassan Bandé et qui semble être inarrêtable du côté de AJK Helsinki en Finlande. Il reste sur 3 buts consécutifs. Le premier, c'était en championnat. Là, il était chanceux et on l'a vu en Ligue Europa Conférence où il surgit d'une très belle tête. Il marque face au PAOK. Malheureusement, son équipe perd 3-2. Et ce week-end, récemment, en championnat, il entre en cours de jeu et quelques minutes seulement de toucher le ball et il offre la victoire au AJK Helsinki. Je crois que c'est très bien.
bien, c'est super. Ça fait plaisir de voir Hassan Bandé renaître de ses cendres parce qu'il n'a pas vécu une carrière aussi facile. On se rappelle qu'il avait été transféré de Salitas au FC Malines où il a brillé en 27 matchs seulement. Il a marqué 12 buts et de là, il a été transféré à la JAS et malheureusement, il s'est blessé gravement et de cette grave blessure, il n'a pas su se revenir à son niveau, au top niveau. C'est vrai, il jouait bien, mais il n'arrivait pas. Est-ce que c'est un début de retour comme ça, selon vous? Ouais, je peux dire que c'était un début de retour, mais maintenant, c'est au joueur de continuer de travailler parce que. Trois buts, ça ne suffit pas. Vous savez, okay. Il faut être régulier en termes de performance. Et je me dis, avec les trois buts qu'il a marqués de façon consécutive, c'est déjà bon. Maintenant, continuer sur cette lancée. Ça, c'était une bonne nouvelle. Mais il y a une mauvaise nouvelle juste derrière quand on parle de week-end des pros. Cyril Bayala, le diagnostic vient de tomber. Il sera absent pour minimum 5 mois. Ça veut dire qu'il ne sera pas à la CAN. Tout à fait, il ne sera pas à la CAN. Vous savez, les ruptures aux ligaments croisés, c'est la pire des blessures qu'on peut souhaiter à un joueur parce que quand tu contractes cette blessure, c'est comme si tu manquais une partie de la saison. Rappelez-vous, avec 5 mois d'absence, Cyril va revenir tout juste après la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est une grosse perte. Et puis, il va venir aussi à la deuxième partie de la saison du championnat. C'est une grosse perte parce qu'il était sur une très bonne note. Il a commencé la saison avec 2 passes décisives et il a inscrit un but. C'est vrai que Cyril, il ne marque pas assez, mais c'est un joueur rare de nos jours parce qu'il sait marquer. Et l'autre avantage de Cyril, c'est qu'il sait aussi défendre. Voilà. Il monte et il est généreux dans l'effort. Il est généreux dans l'effort. Donc, ce qui fait que c'est vrai qu'il manque, il ne marque pas, mais quand tu es un coach, c'est difficile pour toi de t'en passer d'un joueur qui revient à chaque fois pour épauler les milieux de terrain et parfois même en défense pour épauler les défenseurs. Monsieur Deux Poumons, c'est comme ça on l'appelle avec l'équipe nationale du Burkina Faso, il ne sera pas de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On va souhaiter prompt rétablissement. Donc, à notre invité, il était avec nous quand. Il était à Ouaga, il est passé dans Sport Zone. On va lui souhaiter donc de bien revenir en forme dans quelques mois. Eh bien, on va parler toujours de l'équipe nationale et de nos internationaux. Cette fois-ci, on va parler du football féminin avec notamment le match des étalons dames qui, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina a battu l'Eswatini 3-2 pour le match aller. Le match retour, c'est prévu donc pour ce 26. Est-ce que, on va dire, c'est déjà bien ou est-ce qu'il faut rester prudent avec l'équipe des Eswatini? C'est Fred Zio. Oui, il faut rester prudent parce qu'en football, il n'y a jamais rien d'acquis tant que le coup de sifflet final n'est pas donné. Mais je pense que, pour avoir vu le match, je pense que le Burkina est légèrement au-dessus de cette équipe-là. Donc, je pense que ça va passer. Abibou Sana, vous qui regardez bien le football féminin, qui connaissez l'équipe nationale, est-ce qu'on va aller au moins finir les premiers tours? Oh, bon. Au moins, je profite ici pour les dire félicitations. Okay. Parce que c'est le travail que je battais depuis tant d'années qui vient de se réaliser. Et du coup, c'est pas encore fini. Et on a gagné, mais on n'a pas encore, c'est pas encore terminé. Et le match retour, il faudra vraiment que les entraîneurs essaient vraiment de préparer les filles bien, que ce soit mentalement et puis physiquement. Pour qu'il soit au top. Et je suis confiant, je sais que ça va aller. Allez, on souhaite bonne chance donc à Pascal Savadoro, à Véronique Gnoli et à toutes les joueuses de l'équipe nationale féminine. On va rester dans le football féminin pour parler maintenant du tournoi de l'avenir du football féminin qui a débuté hier. Et Abou Sana, vous êtes là pour nous parler de ce tournoi. Oui, tournoi de l'avenir du football féminin, tout le monde connaît parce que ça fait 11 ans. 11 ans, dès le début, quand j'organisais le tournoi, on ne parlait pas du football féminin, c'était l'absence du football féminin aux 5 à 6 ans que je peux dire. Et je l'ai battu moi-même. Et mon objectif premier, c'était de mettre une équipe nationale en place. Je disais, si la fédération n'aimait pas une équipe nationale, moi, je mettrai l'équipe nationale en place. Et avec, dès le début, j'ai organisé avec mes premières éditions avec mes propres fonds, deuxième, troisième, c'est quatrième qu'ils ont vu l'œuvre que je fais. Les gens ont commencé à s'intéresser à ça. Et puis voilà, ils ont commencé à installer le championnat, tout. Et aujourd'hui, je suis tellement comblé parce que quand je vois que le Burkina obtient une équipe nationale, on ne peut pas passer sans dire Abibou Sana. On dit grâce à Abibou Sana, le Burkina a une équipe nationale, qu'il veut, qu'il connaît ou pas. On sait que c'est grâce à moi que le Burkina a une équipe nationale. Vous êtes rentré ce week-end, on va dire le vendredi dernier, on a vu les images de l'accueil. Est-ce que déjà c'est un début de récompense selon vous? Parce qu'on a vu un monde monstrueux donc à l'aéroport.
Oui, vraiment, je profite de vos micros pour dire merci beaucoup à tous les gens qui sont sortis me soutenir, que ce soit les supporters des étalons, mes fans et puis la famille, tout le monde qui est sorti me soutenir en m'accueillant. Vraiment, ça montre que vraiment le pays il m'aime et puis ça montre que le travail que j'ai effectué, tout le monde le connaît. You know why I'm doing. Everybody is happy. I'm very happy for this. Stéphane seul qui comprend. I'm very sorry. Elle a juste dit qu'elle. Non, on comprend. Voilà. Je suis désolé parce que souvent le français. Ça bascule. Alors, justement, le tournoi, est-ce que ça a bien commencé? Ouais, le tournoi. Non, bon, je peux dire oui, c'est bien commencé parce qu'il y avait beaucoup de monde au stade. Hier, il y avait beaucoup de monde, il y avait des artistes qui étaient là. Ça a commencé ce dimanche. Ça a commencé ce dimanche. Et la finale, c'est pour quand? La finale est prévue pour le 8. Parce qu'on avait dit que c'est le 2, mais comme c'est la Ligue qui organise, la Ligue m'a communiqué que ça sera le 2. Le 8. Et le 8. Ok, voilà. Donc il y aura combien d'équipes cette année On avait prévu de faire 8 chez les garçons et 8 chez les femmes. Mais en gros, chez les femmes, il y a 8 équipes qui est présent. Et puis il y a 4 chez les garçons qu'on va les commencer. Petites catégories. Oui, les petites catégories. Alors on va donc inviter le public à faire le déplacement donc, pour suivre ces matchs. Rendez-vous donc le 8 octobre pour la grande finale. Mais en attendant, vous pouvez aller suivre donc les matchs de qualification. On va continuer ce numéro de votre émission pour justement parler de toujours de football. Cette fois-ci, on va revenir sur le plan local pour parler du championnat national de première division qui a joué pour le compte de sa 4e journée. Et la SEC de Kourougou est toujours insaisissable. Les commerçants de Kourougou ont battu Salimata et Tasseré Football Club lors de cette 4e journée. Une victoire arrachée dans les dernières minutes de la rencontre. Regardez. La SEC fait son show au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les employés de commerce de Kourougou ont réussi le hold-up parfait face à Salitas. Dominé dans le jeu et réduit à 10, l'actuel leader au classement a su faire le dos rond et surprendre les colombes dans les arrêts de jeu. Moumouni Cabré, d'un coup de tête magnifique, trompe l'Adisanou et offre la victoire à la SEC dans un match où les hommes de Mouni Kwanda ont souffert. Il fallait rester sur le plan mental fort, parce qu'on s'est dit que le football, tant qu'il n'y a pas, l'arbitre n'a pas sifflé, il faut toujours, comme on appelle, il faut toujours, en tout cas, persévérer. Et on a persévéré, on a pu avoir une. Salitas, qui espérait une première victoire après 3 matchs nuls de rang, n'a pas réussi à prendre le meilleur sur son adversaire. Malgré les tentatives de Mohamed Lamine Ouattara, qui disputait son premier match sous les couleurs de Salitas, les Colombes terminent sur des regrets. Je peux dire que c'est la SEC qui a pu jouer les créations. On s'est bien préparé, comme je disais tantôt, c'est bien préparé. Bonjour, bien joué le coup. J'ai dit mon chapeau, j'ai dit bravo. La SEC conserve ainsi la tête du classement en attendant les matchs en retard de l'AS Douane et de l'EFO. Salitas va affronter COSAF lors de la prochaine journée. Les Colombes vont donc tenter de décrocher leur premier succès de la saison. Allez, on va vous proposer un autre match. L'AS Fayenega est opposé à la formation de l'ASFB. On va dire ASFA contre ASFB donc pour ce match. Regardez les temps forts donc de cette rencontre. 18e minute, penalty pour les Yenengis avec cette faute à l'entrée de la surface de réparation. On va revenir sur la faute dans fait de jeu, mais en attendant, on va vous montrer le but, l'ouverture du score sur penalty par Ousmane Traoré qui donne l'avantage donc à la formation de l'AS Fayenega. La formation adverse, l'ASFB va revenir dans le jeu en toute fin de partie sur ce coup de pied arrêté. Une frappe magistrale qui a été touchée légèrement par le portier, par Whitson, et ça finit sa course au fond des filets. Un but partout au terme de cette rencontre. On va vous proposer maintenant l'ensemble des résultats avec la complicité de la régie dirigée de Mai de Maître ce soir par Cossier. Le résultat, étoile filante de Ouagadougou, Majestic Sporting Club, l'ASFA FM nul, mais l'EFO est tombé. 1-3 face à Majestic, Vitesse FC contre l'AS Douane, 0 but partout. Salimata et Tasseré Football Club, Salitas a été battu, comme vous venez de le suivre, par la formation de la SEC. AS Fayenega contre ASFB. Vous venez de suivre le résumé de ce match également. Un but partout entre les deux formations. La suite du tableau maintenant, toujours avec la régie. On va revenir déjà sur cette grosse désillusion de l'étoile de Salitas.
juste Ephrem Zio qui menait au score et qui était en supériorité numérique et qui s'est fait battre en toute fin de partie. Non, Salitas qui a perdu 1-0. Qui a perdu, qui tenait 0-0. Il jouait en supériorité numérique face à la SEC de Kourou. Tout à fait. Et finalement, c'est la SEC qui s'impose. Oui, mais je pense que le football, c'est du réalisme. Salitas a eu de nombreuses occasions, mais malheureusement, les attaquants n'ont pas été adroits. Et la SEC a fait le dos rond. Vous connaissez un peu comment le coach Mouni joue avec ses équipes. Ce sont toujours des blocs bas et ils se projettent rapidement. Et la plus petite occasion qu'ils ont eue, ils ont pu ouvrir le score. C'est un début de championnat qui est un peu surprenant de la SEC. Mais qui veut aller loin maintenant, sa monture. Donc, la SEC voulant se maintenir, la SEC décide de faire le maximum de points, d'avoir le maximum de points avant que les choses sérieuses ne commencent. La SEC, donc, qui est en tête du classement, va regarder d'ailleurs le classement avec la régie dirigée de Medmettre par Cossier. Le classement va vous donner le trio de tête. La SEC est toujours en tête. 4 matchs, 4 victoires pour la SEC. La Sonabel est deuxième avec 10 points. La Sdouane, un match en retard à 7 points et est troisième. Pour le moment, en bas du classement, on retrouve Royal FC, 4 matchs joués, 1 point obtenu. COSAF également, 4 matchs joués. Seulement 1 point obtenu pour la formation de COSAF. C'était là donc le point de la quatrième journée. Pour le moment, on veut dire, le challenge n'a pas encore, les suspens n'ont pas encore commencé dans ce championnat. Donc, on va pas rester longtemps là-dessus. On va arriver sur les faits de jeu juste après cette virgule. Fait de jeu, c'est avec Juste Ephrem Zio. Alors, on va regarder le premier fait qui a retenu l'attention de Juste Ephrem Zio pour ce soir. Le premier fait, c'est dans le match qu'on vous a proposé entre la formation de Salitas et la SEC de Kourou. On va demander à la régie donc de nous montrer les images et l'analyse de Juste Ephrem Zio. Est-ce qu'il y avait pénalty sur ce coup? Est-ce que la SEC méritait un pénalty? Parce que les commerçants ont quand même crié au scandale. Mamad, merci encore. Donc, par rapport à cette rubrique-là, c'est un contact normal qui est intervenu dans la surface. Voilà. Le football, c'est un jeu de contact. Donc, c'est un contact normal. Qu'il n'y a pas bousculade? Non, il n'y a pas du tout bousculade. C'est un rapport de force entre les deux joueurs et le défenseur a pris le dessus. Je pense que l'attaquant a beaucoup plus laissé jouer. Donc, il n'y a pas faute. Et je pense que dans le match, l'arbitre a pris la bonne décision. L'arbitre n'a pas sifflé pénalty. Et félicitations à l'arbitre pour la bonne analyse et la bonne appréciation. On va regarder donc le deuxième fait. S'il y a polémique sur le premier, on verra le deuxième. Alors, on va demander à Cossé de nous montrer les images de ce deuxième fait. Sur cette action-là, nous voyons que c'est une balle lancée en profondeur. L'attaquant de l'ASFA est dans une situation où il va se procurer une occasion. Et vous voyez que, regardez juste là, stop, Cossé, malheureusement, il n'a pas pu. Vous voyez que le défenseur de l'ASFB déstabilise l'attaquant par l'épaule. En le retenant au niveau du bras gauche, bras droit, voilà. L'image passée, c'était épaule aussi ou pas? Non, oui, c'était épaule, mais là, c'est différent parce que le défenseur de derrière déstabilise l'attaquant en le tenant avec le bras au niveau du bras droit. Donc, le joueur, dans son élan pour aller frapper, la balle n'a pas pu avoir l'équilibre. Là, vous voyez, n'a pas l'équilibre. Naturellement, étant donné que l'infraction est faite dans la surface de réparation, ça, c'est un pénalty. Donc, la faute est tout à fait logiquement sanctionnée. Et félicitations à l'arbitre pour avoir pris la bonne décision. Alors là aussi, l'arbitre a pris la bonne décision. Donc on n'aura pas assez à polémiquer ce soir. On va continuer notre émission. Je pense que l'objectif, c'est de relever des faits et des détails qui comptent. Félicitations aux arbitres quand ils prendront les bonnes décisions, mais aussi lorsqu'il n'y aura pas de bonnes décisions, notre objectif aussi sera d'attirer l'attention. Voilà, ce n'est mais, pas. Bah, nous aimons quand c'est pas les bonnes décisions qui ont été prises. Alors ce soir on n'est pas servi. On va parler maintenant de l'Assemblée générale de la JSB qui a. On va s'arrêter sur les joueurs qui ont été retenus dans les différentes disciplines sportives pour la nuit des champions. Côté football, c'est Michel Batiobo qui a été retenu comme meilleur joueur de la saison écoulée. Est-ce que vous êtes d'avis avec la JSB sur cet aspect? On va commencer par vous, Stéphane.
Personnellement, je suis d'avis, je suis d'accord, parce que Michel Batiobo, il a été une fois meilleur joueur à JSB en tout, voilà, le long de la saison, et aussi il a contribué grandement à la meilleure saison de l'AS Douanes, en championnat comme en Coupe du Faso. En championnat, on peut voir les matchs face par exemple à Majestic, où il permet à l'AS Douanes de l'emporter, parce qu'ils étaient menés face à l'EFO aussi, il a été époustouflant. Face à Saïtas aussi, il a été époustouflant, et puis lors des déplacements à Bobo Dioulasso, il a permis à la l'AS Douanes d'engranger des points, et même à Ouaga ici, il a permis au Gabelou d'engranger des points, et puis en Coupe du Faso, il les a portés. C'est vrai, malheureusement, c'est lui qui manque le pénalty, qui qualifie les fous en finale, et parce que il a égalisé, il a marqué le but égalisateur, je crois, mais et malheureusement il est malchanceux. Il a toujours été, depuis que moi je connais Michel Batiobo, sur les pénaltys, il a toujours été moins reluisant, mais je crois que c'est mérité, il n'y a rien à dire. Alors Zio, il était en ballotage avec un certain Libo, qui est donc le joueur de Vitesse FC, troisième meilleur buteur de l'exercice écoulé, et un de ses coéquipiers également, Valentin Nouma, sans compter Salif Bagaté, qui lui, quand même, est pénalisé par la nationalité. Non, je suis d'avis avec les spécialistes de la JSB. D'abord, l'objectif, c'est de primer plus ou moins souvent aussi les attaquants. Donc déjà, la JSB est restée. L'année passée, quand même, c'était un gardien. C'était Baba Youré, mais la JSB est restée dans une logique. C'est l'un des joueurs qui a été en compétition jusqu'à pratiquement à la fin de la saison pour le titre de meilleur buteur. Oui. Il est champion national et comme Bassalia vient de le dire, il a porté son équipe, il a porté l'AS Douane jusqu'à la fin de la saison. Donc avec Valentin, ça aurait pu effectivement, mais lui, il a beaucoup plus été régulier. Il a beaucoup été plus impactant dans les performances de son équipe. Et je pense que c'est tout à fait logique qu'il soit meilleur joueur de la saison. Alors, on va aller parler de l'Union des supporters, l'Union nationale des supporters des Étalons, qui fait, on va dire, une tournée dans les régions pour présenter la carte des supporters en vue donc de ratisser l'âge, préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le week-end écoulé, l'UNCE était du côté de Kaya. Voici le reportage. Nationale des supporters des Étalons en opération de charme à Kaya. Objectif, amener la population du Centre-Nord à souscrire massivement à la carte de supporters. Toute chose qui permettra à l'UNCE de s'auto-prendre en charge lors des prochains événements sportifs, notamment de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire en 2024. Vous voyez, la carte des supporters, c'est un sésame vraiment très important pour les supporters. Vous voyez, au Burkina Faso, actuellement, le pays est dans des difficultés. Si 1% de la population même arrive à prendre la carte de 5000, nous-mêmes, on peut se prendre en charge et puis prendre même les équipes nationales en charge. Donc, nous invitons vraiment les Burkinabés à adhérer vraiment au cadre des supporters. L'initiative lancée depuis quelques mois a déjà été vulgarisée dans les régions du centre et des hauts bassins. Le centre nord est donc la troisième région à être visitée et un point focal a été mis en place pour susciter davantage d'adhésion. Cette carte, nous la prenons comme un facteur de cohésion qui va permettre aux fils et aux filles de la région du centre nord de ressouder les liens afin que nous puissions avancer ensemble vers le même objectif qui est la paix et le développement. La carte de supporter est disponible en 4 modèles selon l'UNCE et les montants vont de 5 000 à 100 000 francs CFA. Les détenteurs bénéficient de plusieurs avantages dont des ouvertures de comptes et des Mastercard à PCB. Tournoi Maracana de Belleville. La première édition a été remportée par Température FC. Chaban Ole Ouattara était du rendez-vous du côté de Belleville. Voici son élément. Température FC remporte la première édition du Maracana pour Chris de Belleville. Mais avant cette partie de l'IS, Température FC a dû croiser les crampons avec le Racing Club de Belleville. Dans cette opposition farouche, les deux formations se partageaient les occasions sans concrétiser en première période. À la reprise, Température FC monte d'un cran. Avec le soutien de ses supporters, le match prend une autre tournure, mais comme en première période, la finition n'est toujours pas au rendez-vous. Au coup de sifflet final, les deux équipes se quittent dos à dos. Place à la séance fatidique des tirs au but. Dans cet exercice, c'est Température qui l'emporte sur le score de 3-2. Non, ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, on a gagné au-dessus du but. Voilà, on le met sur.
beaucoup à Dieu. On a bien joué, ça s'est bien terminé, il n'y a pas eu de blessures. Voilà. On a fait de notre mieux. On a fait de notre mieux. Bon, mais ceux qui sont bons, nous aussi on est bons. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. C'est vrai, on nous a battus, mais on ne se décourage pas. Cette première édition du tournoi a réuni 16 équipes et les matchs se sont déroulés sur le système 1 Koukao. Une satisfaction pour le parrain qui salue la bravoure et l'esprit de fair play qui a régné durant la compétition. Nous sommes très satisfaits et nous rendons gloire au Tout-Puissant parce que nous pouvons dire que nos objectifs ont été atteints, c'est-à-dire la conversion des gens et la connaissance de Christ. La population a bien apprécié parce que c'est un Maracana qui a prôné l'amour, qui a prôné la paix et qui a prôné la cohésion sociale. Le finaliste malheureux repart avec la somme de 75 000 francs CFA, des ballons et une Bible. Le premier, quant à lui, empoche une enveloppe de 100 000 francs, des ballons et aussi une Bible. Rendez-vous est donc pris en 2024 pour la deuxième édition. Alors, Habibou Sama, on va parler toujours du tournoi de l'avenir du football féminin. La suite, c'est quoi? Et les compétitions se jouent où? Oui. Où est-ce qu'on peut aller voir ces matchs? Ok, ils ont localisé les différents matchs sur le terrain de l'EFO. Voilà, les éliminatoires vont se jouer là-bas. Mais maintenant, c'est la finale qui va se jouer au stade municipal. Donc, dès maintenant, les gens peuvent se rendre au niveau du terrain de l'EFO. L'EFO pour suivre les matchs. On est sûr que Bassalia ne va pas rater donc, ouais, ces matchs. Qui aime beaucoup le football féminin. Voici une initiative qui dure 11 ans quand même. Oui, tout à fait. C'est une très belle initiative. 11 ans, ce n'est pas 11 jours. Les débuts n'ont pas été faciles et on sent qu'à force de travailler avec le courage, la persévérance de notre promotrice qui est à côté de là, ça a pris. Et comme elle dit aussi, le football féminin, c'est l'avenir. Hein. Le football féminin, c'est l'avenir. Et puis malheureusement, ici, les dames ne sont pas accompagnées comme il se doit. Ce sont uniquement les hommes qui sont plus en vue. Je crois que lorsqu'il y a une initiative comme cela, c'est à saluer et c'est à encourager. Donc je tire mon chapeau à la promotrice et j'espère qu'elle va continuer, voilà, à donner de la compétitivité. On espère tous qu'elle va continuer. Alors juste après midi, on a parlé de Fabrice Zango qu'il fallait soutenir. Voici également une initiative qui permet au Burkina aujourd'hui d'avoir une équipe nationale féminine et qui a 11 éditions qu'il faut également quand même regarder de près. Oui, non seulement regarder de près, mais j'allais même dire que il faut s'impliquer pour que cette compétition devienne institutionnelle. Okay. Voilà. On a eu l'exemple de Madame Karama avec le tournoi des cinq nations. On a eu l'exemple avec Feu regretté Noufou et Drago, avec aussi le tournoi des centres de formation, qui malheureusement n'existe plus. Et c'est une invite, et j'encourage Habibou, la félicite, et j'invite les autorités et les responsables à l'épauler, pour que cette initiative ne soit plus sous ses épaules, mais soit maintenant, elle soit seulement promotrice, mais que ça soit une institution nationale, parce que avec son tournoi, elle renfloue l'équipe nationale féminine. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, hormis peut-être le Nigeria et le Ghana, et le Burkina Faso fait partie de l'un des rares pays à avoir toutes les catégories en dames, en senior, en U20, U17, et on a vu les tournois UFOA, où les Burkinabés n'ont pas été ridicules. Et je pense que c'est eu égard à son tournoi. Et encore bravo, félicitations à elle. Allez, on va s'arrêter là donc pour ce numéro, tout en rappelant que la finale, c'est le 8. Oui, la finale, c'est le 8. Le 8 octobre, du stade municipal Issoufou, Joseph Konombo. On espère que vous allez tous faire le déplacement donc pour suivre cette finale. Et on espère avoir donc Habibou Sana peut-être pour faire le bilan de cette édition. Donc après la finale, nous on s'arrête là pour ce numéro de votre émission Sport Zone. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On se dit au revoir, comme d'habitude, avec le bonus. Regardez et see you another day. No.